Alléluia. Mais les hommes, non, homme de Dieu, offrande aussi, je vais guérir. Et puis on t'exploite. Et puis quand ça ne marche pas, ils vont dire non, c'est parce que tu n'as pas trop bien cru. Est-ce que tu as même bien jeûné ce jour-là? Est-ce que tu t'es couché à gauche? Tu t'es même couché à droite? Ils ont la parole dans la bouche, mon frère. Ils peuvent te manipuler jusqu'à... Tu vas partir, tu n'auras plus rien et tu ne te rendras plus compte de quoi. Parce que leur objectif, c'est que tu te dépouilles pour qu'eux, ils soient enrichis. D'autres le font clairement, littéralement. Et d'autres le font sans le savoir. Et nous prions que le peuple de Dieu, ses serviteurs, les chantent. Ouvre les yeux. On fait les albums dont le peuple de Dieu n'a pas accès, à condition qu'il paye. Ah oui, mais on a dépensé l'argent pour produire. Oui, mais tu l'as dépensé pour produire. Qui est ton patron? Qui t'a engagé? Est-ce le peuple de Dieu? Quand la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, c'est celui qui a engagé l'ouvrier qui paye son salaire. Si tu investis ton argent dans cet album-là, et que je n'ai pas dit que tu donnes les albums du scribe, même mets-les à la disposition sur Internet pour que tout le monde puisse écouter. On met seulement un petit bout de 30 secondes, et puis tu es là, quoi. Oh, tu as envie d'adorer Dieu, mais l'adoration est restée en l'air. Il faut payer maintenant pour écouter le reste, pour pouvoir adorer pleinement Dieu. Alléluia. Sortons du monde. Ne laissons pas les hommes et les chants de l'Éternel de nos jours nous flatter à cause de leurs ambitions de carrière et d'élévation. Alléluia.